Là, c'est la reprise officielle de la moto après des changements incroyables. J'ai déménagé à Toulouse, donc je reviens que les week-ends en Auvergne pour voir la famille, faire la moto. Donc voilà, j'ai aussi changé mon pneu Wagum. Je vous avoue, j'en étais pas du tout content. Ce qui est bizarre, c'est qu'il se lime très 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 fort déjà au milieu sur la partie d'accélération quand t'es en ligne droite, quoi. Et sur les côtés, j'ai pas trouvé un bon grip et il a tendance à pas du tout s'user par contre. Alors que d'habitude, les crampons sur les côtés, ils commencent à s'arracher sur les autres pneus du genre Metzeler, Michelin, etc. Mais ça accroche. Et surtout à oublier complètement en enduro parce que quand t'es dans une côte, c'est pas genre normal, c'est un handicap vraiment. J'ai roulé avec des potes, je me suis fait tirer tout le long en fait. Pourtant jamais eu ce souci d'adhérence là. On n'est pas des pilotes pro, mais là c'était abusé. Dans chaque fois qu'il y avait une pierre ou un truc comme ça, un micro truc, ça glissait dans tous les sens, impossible de repartir. Donc mesdames et messieurs, on repartit sur une valeur sûre, vous voyez peut-être le petit éléphant qu'il y a ici. Un Metzeler, 6D Extreme. Je sais pas, c'est Tanguy qui me l'a pris, donc Guigui. Je sais pas si c'est le soft, super soft ou pas, mais ça fera très bien l'affaire. Puisqu'aujourd'hui, on va faire du cross. Et oui, on va faire du cross avec Guigui. Il arrive d'une minute à l'autre. Pendant ce temps, je vais remonter ma vraie. On va préparer tout ça. Prendre les tapis Ipone, ou Iphone, pour ceux qui connaissent. Non, Ipone. Et puis voilà, go, hein, let's go, let's go, let's go. Graisser la chaîne aussi. Attention, très important. Wow! Sont belles, hein. Elles sont belles. En place à Riss MX Moto Club. Hop, 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 ça démarre au quart tour. Pas mal ce petit terrain, mais c'est assez dur de se rappeler des traces après seulement un tour, mais en tout cas putain, il m'a l'air plutôt sympatoche. Ah, le Guigui qui se chauffe. Ce qui est ouf quand t'es enduriste, c'est que autant les sauts, c'est pas du tout notre truc. Autant les ornières, on a notre mot à dire, franchement ça va. En tout cas je pense. Wouhou, ça glisse chef. Bonjour à tous chers amis, nous repartons après deux tours, on ne connaît pas encore le terrain.
On va essayer de lui faire un terre. Ou c'est pas simple. Thank you.
Là ça va être beau là. Et je pense pour le prendre bien à droite, mais... Oh, bon, il m'a fait peur lui. Bah tu vois les mecs qui font du cross et ceux qui font de l'enduro.